Maintenant, la maison que le juge va attribuer à toi et à tes enfants, c'est encore la maison de Sodome, puisque tu es sa femme. Ma soeur, tu vois le danger? Hein, maman? Sodome dort chez toi comme il veut, quand il veut, sans rendre compte à personne. Et dort chez lui, comme il veut, quand il veut, sans rendre compte à personne. Hein, Daniel? Jusqu'à maintenant, tu ne vois pas le danger? Il y a danger. Si tu as choisi d'épouser un bel homme comme dit Kassone, ma soeur, c'est ton pied, mon pied. Il monte, tu montes. Il descend, tu descends. Ne te laisse pas faire, ma soeur, je suis derrière toi. En retour, mon frère Sonne, le choix de la résidence t'appartient. Personne ne peut te l'enlever, même le maire que je suis, c'est la loi. Mais le conseil du maire au mari, parce que le maire devient l'ami des maris. Pourquoi on n'a pas de problème à l'article 215? Je te conseillerais de consulter madame pour qu'ensemble, vous choisissez votre résidence. Tu peux me promettre cela? Je peux le promettre. Merci, Dika. Applaudissez pour lui. Hein? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, devant nous tous, le couple vient d'accepter tous les articles de loi qui régissent le mariage. Ça me donne force de recevoir leur consentement. J'invite monsieur et madame à se lever pour que je reçoive leur consentement. Et vos anneaux, s'il vous plaît. Vous allez vous regarder face à face. Les yeux. Bravo. Bon, les yeux. Dans les yeux. Hein. Dis pas, je t'en parle rien là. Hein. Les yeux dans les yeux. Hein. On va commencer par monsieur. Monsieur Sonédica Gustave Jacques, consentez-vous de prendre pour épouse mademoiselle Niembe Alice Daniel ici présente? Si tel est votre vœu, dites à haute et intelligible voix, oui, je le consens. Oui, je le consens. Mademoiselle Niembe Alice Daniel, consentez-vous de prendre pour époux monsieur Sonédica Gustave Jacques ici présent, le chéri, jusqu'à ce que mort vous sépare. Si tel est votre vœu, dites à haute et intelligible voix, oui, je le constate. Monsieur le maire, avant toute chose, j'aimerais dire un petit mot. Oui, allez-y. Je vais dire à tout le monde ici pour ça que Sonédica et moi, ça fait pratiquement 14 ans que nous sommes ensemble. On a connu les hauts et les bas, contre les groupes qu'on a pu surmonter. Mais depuis 2 ans, Sonédica et moi, on traverse une sorte de turbulence très très forte. Qu'on n'arrive pas à surmonter. Et Sonédica ici pour ça a fait un choix de vie. Et moi, mademoiselle Niembe, je souhaite que M. Sonédica continue dans son choix de vie. C'est-à-dire que je ne veux pas l'épouser. Aïe!